J'ai mal et j'en ai marre d'écrire des textes tristes. Mes cahiers sont remplis, je me demande vraiment si le répit existe. Bien sûr que j'aimerais donner de la joie, j'aimerais donner, j'avoue, autre chose que de la tristesse ou de la colère, mais pas le choix. Mon anxiété déverse et mes vers se trament dans mes larmes. J'écris parce que j'ai pas appris à parler, pas appris à pleurer, parce que j'explose, parce que j'ai que ça dans la vie, parce que la destruction est mon extol. De toute façon, c'est ça ou rien, c'est ça ou pas. La vie m'excuse, mais déjà tué par le système. Des fois, c'est plus rien à foutre. Je me perds dans les pages de ma vie, dans les poches du souvenir, les pièges de la haine, et je vois les sous-nuits. Les nerfs des miens angoissants. Et on apaise l'ennui et chaque chagrin dans l'illusion joviale de la boisson. Vodka pomme, point shit, varé comme en Hollande, gang trafiqué. Et bienvenue dans la paranolande. Merde, j'aimerais arrêter le temps. Car plus il passe et plus ça empire dans nos cœurs et dehors en même temps. Je rêve tant de paix et de sérénité qui évoque deux utopies qui ne riment plus avec ce monde et cette époque. On m'a dit Babylone était le paradis. Alors l'enfermement comme manque d'air, puis que j'ai connu l'enferme. C'est triste et glauque, foyer drogue, matrice et bloc. Cap qui déglingue, rue qui schlingue, ça m'attriste. Et je troque cette saleté pour un mic en restant intègre. J'oublie pas les aléas de ma vie, non. Ma vision reste impec et je m'en tape. S'il y a pas de technique dans mon rap, je nique les artifices, mec. J'déballe juste ce qui me traque au fond de moi. Joue en faillite, douleur en voilite, la rage en voile. Système carotte et paix invalide. Jeunesse énervée, victime d'incompréhension. Peuple sous tension, on sait égo, ça manque d'attention. Putain de monde à vide. Mais bon, tu connais déjà mon avis. Système noyé dans l'illusion, où seul les démons naviguent. Manipule et ça me rend taré car je veux pas te mettre. Alors laisse-moi gueuler que j'emmerde l'ordre moral, mec. La hiérarchie et leur grade, toutes leurs valeurs crades. Est-ce qu'ils ont volé au peuple accueillant harmonie prade? Et rien à battre de toutes leurs lois, la con c'est hardcore. S'ils croient éteindre le feu avec des sens coupés à l'alcool, illogique, bien loin des pensées idéologiques. Cerveau pollué, tous nourris à la bouffe biologique. Télé mensongère, manipulation des médias. Vive l'évolution du peuple, rien ne va dans l'immédiat. Travailler, travailler comme un esclave sans chaîne pour Babylone. Menteur conquérant qui s'appuie sans gêne sur les pays du tiers-monde pour construire ses tours. Arnaque des matières premières et ça sans faire de détour. Mots qui sonnent faux comme diabolisation. Multinationale, FMI, G8 et mondialisation. Focalisation sur la terre maudite. USA et eux, ça leur fera tout drôle le jour où la route tournera dur. D'être optimiste en regardant l'état du monde, en regardant l'état de nos vies où au fond seules les ratures montent. On évolue comme dans un gribouillage, fait de brouillage et trouage qui nous tuera par manque de raison et de courage dur. D'être optimiste en regardant l'état du monde, en regardant l'état de nos vies où au fond seules les ratures montent. Pris à notre propre piège, comme on n'a pas idée. L'apocalypse commence, dès que l'homme a perdu son humanité. Et le processus est en route, regarde le monde, regarde nos vies. À l'époque, hein, gouverné par l'argent et le mensonge. Dur d'être optimiste pour la suite. Car tous prisonniers d'un système destructeur, pris à notre propre piège. L'individualisme, l'ignorance, l'orgueil et l'avidité, c'est ça qui va nous tuer. Nous ignorons.